de dingue. Une journée, comme je les appelle, une journée catastrophe. J'étais d'une maladresse totale. Je sais pas ce que j'avais. Il y a toujours une journée dans le monde où ça va pas du tout. Voilà. Donc, pour revenir sur mon tricot, donc j'ai pas pu beaucoup avancer parce que beaucoup de travail. J'ai commencé la première section de motifs dentelle du bonnet. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est trop sympa. Et vraiment, c'est tout. Là, j'ai rajouté le mohair. Du coup, je vous avais dit que je ne l'utilisais pas pour les coudes parce qu'il m'en restait très peu. Là, je l'ai rajouté. C'est d'une douceur, ce truc. J'adore. Voilà. Donc, en gros, on doit répéter deux fois ce motif-là pour faire une grille complète. Et on doit faire la grille deux fois. Donc là, j'en suis au début du deuxième petit motif. Donc il me manque trois motifs en fait pour finir le bonnet. Donc ça devrait aller plutôt très vite. Le voir, c'est celui-là. Il vient d'où? Je crois que c'est encore chez Ouliette que je l'avais pris. Il me semble. J'ai plus trop de souvenirs, mais je crois que je l'ai évoqué dans ma deuxième vidéo. Voilà. J'avais fait la capuche Bombec avec d'Atelier Emily. Trop doux. Voilà. Et je voulais vous montrer ça que je m'étais pris. Attendez, je vais les mettre parce que sinon. Hop. Ça faisait longtemps que je voulais des stop mailles. Je sais pas trop comment on appelle ça. Il y a plusieurs noms, bloqueurs de mailles, stop mailles, etc. Et donc j'ai trouvé cela chez Madeleine à Bruyères. J'aime bien. Sympa. Voilà. Donc ça fait ça parce qu'en fait je les utilise surtout sur les mini. Désolée, c'est ma chienne. Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Tu veux sortir? Tu veux sortir? Je coupe, je reviens. Me revoilà, je sais plus de quoi on parlait. Et j'ai la deuxième chienne qui arrive. Comme c'est pas une, c'est l'autre. Coucou, Poupou. J'espère qu'elle a bien te montrer. Viens te montrer. Viens te montrer. Viens te montrer. Viens, viens. Viens montrer ta belle truffe. Oui. C'est ta doux, hein. Ouh là 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 là. Regarde, tu vois, regarde la caméra. Oui, je parlais des stoppers de voile. Donc voilà, bah, je trouvais ça sympathique et je disais que je les utilisais plus pour... mes mines circulaires, quand je tricote des chaussettes, j'ai tendance souvent à perdre les mailles, et quand on fait de la dentelle ou quelque chose qui est difficilement récupérable, c'est top quoi, ce truc. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup de temps libre et c'est top. Enfin, beaucoup de temps libre, je prends à 17h les cours, donc je peux tricoter jusqu'à, on va dire, 9h30 si je m'arrange bien avec la route que j'ai à faire pour me rendre sur mon lieu de travail. Bah, donc c'est cool. Donc là je vais me caler devant un épisode de Mathilde Tricote qui sort également à Vlogtober tout le mois d'octobre. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une autre personne que je ne connais pas. Donc je vais regarder tout ça, je vais regarder ce qu'elle fait. Et puis bah, je vous redirai si ça m'a plu ou pas. Donc voilà. Hier, grosse journée catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait... Je t'ai dit que j'avais été très très maladroite. Je sais pas pourquoi il y a des jours qui sont comme ça. Toi aussi tu vas aller dehors? Bon, désolée, finalement je ne sais pas ce qu'elles veulent, mais pas aller dehors. Du coup, à chaque fois je me perds dans ce que je disais. Donc oui, journée catastrophe. La journée a démarré par un train que j'ai failli louper. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris une porte.
au lycée, j'ai bien vu l'inquiétude des élèves. Ils ont tout de suite dit, mais madame, ça va? Parce que je me suis prise vraiment très fort. J'ai dit, oui, ça va. Vous inquiétez pas, c'est ma journée cata. Voilà. Et puis le soir, non mais trop trop drôle. En fait, on avait une réunion sur Épinal. Et de Bruyères à Épinal, il y a un peu de route. Et comme j'étais venue en train, j'avais demandé à mon tuteur qui me ramène. Mon tuteur a changé ses plans du coup. Et puis il me dit, bah écoute, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour nous emmener. Donc cool. Mais on connaissait pas la voiture de cette personne. Et on l'appelle, elle nous dit, bah je suis devant le lycée. Il y avait une voiture devant le lycée qui commençait à reculer comme si elle voulait sortir d'une place de parking. Donc on s'est dit, bah c'est elle, elle s'apprête à quitter sa place pour nous prendre. Mon tuteur rentre de la voiture avec le téléphone portable dans les mains. Je rentre dans la voiture du coup, vu que je pensais qu'il la connaissait, enfin j'en sais rien. C'était pas elle. On est rentrés tous les deux dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui ne nous attendait pas. Et moi, comme je ne connaissais pas cette personne et que mon tuteur était là sur son portable, je remercie la personne, je lui dis merci de nous amener. La dame se retourne, un peu effrayée, je vous l'avoue. Elle dit, mais vous allez où? Elle était effrayée, la personne. D'un coup, on se met à rire avec Eddie, il me fait, attends, c'est pas elle. Ça a refait notre journée, on a rigolé. Voilà, entre ça, puis moi qui fais tomber un verre à la cantine le midi, enfin, je vous jure, c'était une journée catastrophe. Voilà, mais là je suis beaucoup plus en forme, bien reposée par ma nuit. J'ai pas pu vous filmer hier soir parce que je vous dis, je suis rentrée tard. Ensuite, bah, il y a eu la vie qui a fait que j'ai pas eu le temps. Et puis le soir, bah, j'ai fait que tricoter. Donc j'ai pas pris la caméra, j'étais dans mon dodo, tranquille, devant un petit film. Donc voilà. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ma chienne sait ouvrir les portes, donc elle revient. Bonjour Luna. Bonjour Luna. Viens, je vais te montrer toi aussi. Bonjour Luna. Alors oui, c'est deux chiens qui sont quasiment similaires. C'est des braques allemands. Tous les deux de couleur marron, en fait, pour qu'on ne les voit pas à la chasse. Voilà. Pour qu'on les... Non, 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 tu vas faire tomber le trépied. File, 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 file. Bon, bah voilà, je crois qu'il y a trop d'agitation autour de moi. Le matin se lève. Donc, bah, la vie reprend son cours. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui en termes de tricot. Je suis très, très contente. Cet après-midi, dans ma classe, il y a une intervention des Restos du Cœur. C'est trop cool. Et puis voilà. Et puis demain, bah, c'est mon jour off. Donc, plein de temps pour tricoter également. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. J'espère que le premier épisode vous a plu. C'est pas un format que j'ai l'habitude de tourner. Voilà, on se dit à demain.